Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est à la découverte d'un jeu qui s'appelle War Monglix, qui se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un jeu PC. Oui, ça change un peu les amis. J'ai pas l'habitude de jouer PC. D'habitude, je joue que sur PS5. Mais là, j'ai décidé de jouer sur PC et de faire découvrir ce jeu, les amis. Voilà, donc je remercie l'éditeur d'avoir offert ce jeu pour qu'on le découvre ensemble. Donc on va commencer au chapitre 1. Allez, c'est parti. Donc j'essaierai de tous les mois, les amis, j'essaierai de faire un jeu découverte comme ça, en avant-première. Ce jeu sort le 19 septembre, d'accord ? Au moment que la vidéo sortira. Donc ça sera une vidéo, je serai avec vous dans le chat les amis, ça sera une vidéo live. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de format de vidéo dans le chat. Voilà, et je vous répondrai bien sûr dans le chat avec vous. Donc n'hésitez pas à me le dire dans le chat les amis. Voilà, allez on va commencer chapitre 1. C'est parti. Donc, chapitre 1, la lâcheté. Donc, on va diriger deux personnages, les amis. Donc, on va tenter de se libérer. On va tenter de se libérer des nazis. Voilà. Donc, on est le 23 juin 1944 dans le village de Ossa. Voilà. Donc là, on va avoir un accident de voiture. Et c'est là qu'on va se tenter de s'enfuir. Voilà, tout simplement. Donc on est en pleine guerre mondiale, les amis. Et c'est un jeu qui se veut réaliste. Voilà. Par contre, je suis désolé, d'amis, il y a le sous-titre. Ça parle en anglais. Mais on peut lire en français. Voilà. Et c'est un jeu qu'on peut trouver actuellement pour 34€. Mais il est en promotion actuellement. Mais n'hésitez pas les amis, mon lien d'affiliation sera en description. Donc si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon lien qui est en description. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit les amis, on incarne Manfred et Edward. Donc le principe les amis, c'est tout simplement, on clique sur F1 ou F2, ou on clique avec la souris bien sûr. Donc là, tac, on va sélectionner. Tac, et tac. Donc là, on va faire un zoom. Voilà. Allez. On va zoomer sur eux. Voilà. Donc là, comme je dis, il y a les cercles. Donc, on a juste à cliquer un clic droit sur les cercles. Voilà. Voilà, il y a Edward qui avance. Donc le deuxième, tac. Pareil, hein, les amis. Pour l'instant, franchement, c'est facile à manier. Franchement, moi qui n'ai pas trop PC, franchement, ça va encore. C'est pas compliqué. Là, on va appuyer sur l'espace pour le lever. Tac, on a juste à cliquer sur le gars pour le lever. Voilà, une fois c'est fait, les amis, on va pas courir le chemin. Et mais bien sûr, le but, c'est pas de se faire voir par les nazis. D'accord? Parce que le but, c'est de s'enfuir. D'accord? Et le but, c'est de s'enfuir en moto. Donc vous voyez bien les amis, on est en pleine guerre mondiale. Donc voilà, il y aura toujours un cercle, on a juste à cliquer dessus. Voilà, pour aller plus vite. On clique deux fois pour aller plus vite les amis. Voilà, donc, on passe là. Et chacun a une particularité les amis, d'accord? Chacun a une particularité, vous verrez au fur et à mesure. Allez, tac, on avance les deux. Un peu moins fort le son parce que je trouve que le son est un peu fort. Voilà. Ah, ça va. Mais bien, tranquille. On voit bien la guerre, hein, les amis. On voit bien que c'est réaliste. Là, regardez, il y a le bonhomme qui veut. Donc, on va cliquer sur le gars, le point, et on va l'assommer. Bah, voilà. Lui, il assomme. Lui, il assomme. Donc, on va continuer notre chemin. Voilà. Regardez, là. Ils vont se faire massacrer. Malheureusement. Aïe. Donc là, on va essayer de s'échapper pour aller à la moto que vous voyez ici. Donc le but aussi, c'est de récupérer les uniformes pour pas se faire voir, je pense, pour aller jusqu'aux motos. Voilà. Donc allez, c'est parti. Là, on peut bouger la caméra.
Vous voyez? Voilà. Voilà, jusque là. Tac. Donc là, on peut marquer les ennemis. Hein. Voilà, regardez. Tac. Tac. Ah, vous voyez quoi. Tac, tac. Tac. Et tac. Donc là, il faut récupérer la bouteille et les habits. Donc la bouteille, on va la récupérer juste là. Tac. Là, voilà. Soit qu'on appuie sur la main directement, soit qu'on appuie sur CTRL. Voilà. Donc là, il faut cliquer sur la bouteille. D'accord. Vous voyez que... Hop, il faut jeter juste la bouteille. On va jeter la bouteille. Et le but, c'est de le tuer. Donc hop, on sort le coup de poing. On va l'assommer. Voilà. Donc on va récupérer la bouteille. Voilà, on récupère la bouteille. Voilà. Donc, une fois qu'on a récupéré la bouteille, les amis, ben on va la rejeter là, tac. Hop, on va se casser. Oup, on va se casser. Là, on va prendre lui. Lui, il tue directement. Parce que lui, il a un couteau. Tac, on va le tuer. Allez, crève. Voilà. Donc, on va récupérer la bouteille. Voilà. Chacun a son truc, hein, les amis. Là, on va ramasser le corps. Pour pas qu'on le voit. On va le déposer là. Voilà. Là, faut le tuer en silence. Donc, ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Mais on va essayer. On va essayer de le tuer en silence. Voilà. Voilà, on est passé, les amis. Nickel. Là, c'est plus dur. Là, utiliser la bagarre contre eux. Du coup, on va les tuer directement. Ah, attention. Il y a un gars. Où il y a un gars. On a failli se faire avoir. On a failli se faire avoir. Donc, je pense qu'il faut monter le gars. Faut monter. D'accord. Faut le grimper pour pas qu'il nous voie. Du coup, on va le tuer. Voilà, on l'a tué. Du coup, là, on peut se débarrasser des mecs. Voilà, on les a tués. Ah, attends, on va descendre. On va le faire descendre, le mec. Il est penché à son truc. Bon, là, on va le descendre. Donc, on va le rapprocher. Ah, il y a un réveil. Ok. Donc le réveil. De la montre ici. Donc on va acheter la montre. Et je pense que ça va attirer le mec là. Et on va le tuer. On va ramasser la montre. Voilà. Donc là on va aller les tuer les mecs. Voilà, on les a tués. Voilà, on est débarrassé avec ça. On les a tués. Donc là, les amis, il faut attirer du monde. On va les attirer, on va les balancer ça. Donc ça va attirer les gens. Là, on est passé, les amis. Voilà, on l'a attiré. Le réveil, on est passé. Des fois, faut pas chercher à tuer tout de suite. Vous voyez ? Là, on est passé. Qu'est-ce qui va se passer ? Oh putain. Ok, les fusils. Des sales cons. D'accord. Et là, on va aller tuer l'espèce de. Des gars, des gens. Voilà. Parfait. Là, on a récupéré la montre. Voilà, ça, c'est parfait. C'est nickel. Du coup. Allez. Là, on va passer les deux. Ah. On va tuer l'espèce de... trou de balle.
Donc là on est passé les amis. Là on est passé, faut tromper les avec un sifflet. Faut attendre qu'il soit bien dans la ligne de mire. Là, maintenant. Là pareil, faut faire pareil. Ok. Là faut ruser. On va faire pareil. On va faire pareil. On va attendre que le mec tranquillement il vient. Tranquillement. Tac. On va prendre un couteau. Voilà. Quel. Voilà, là on passe tranquillement. Là faut récupérer les amis. C'est quoi ça? Alors, en mode planification, vous pouvez mettre en file d'attente une action par héros. Exécuter en même temps. Pour activer le mode planification, appuyez sur chaque héros. Là, tac. Donc là faut en fait faut pardon lui ça ici au couteau lui au couteau voilà et faut entrer voilà parfait là faut récupérer les trucs. Et tac, il va les mettre. Là, on a récupéré les costumes. Voilà. Tac. Voilà. Et au fur et à mesure, on a des pouvoirs. Chaque héros préfère le titre d'arme des fions. Utiliser les touches CR à donner un montant d'armes de choisir leur arme. Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, on avance. Et on va récupérer l'arme. Le deuxième. Hop, on va récupérer celui-là. Voilà, on a récupéré les armes. Obtenir un véhicule. On peut collectionner des objets comme vous pouvez le voir. Voilà, maintenant c'est fait, on va zoomer, on va regarder un peu l'environnement où il faut aller exactement. Là faut récupérer, on va récupérer le truc. Voilà, hop, c'est dans notre poche. Donc là on a récupéré un objet de collection, voilà. Donc voilà, là il faut tuer le gars. Donc on va essayer d'aller tuer lui là. Voilà, donc je pense que c'est possible. Voilà, on va aller ici. Voilà. Tac, on va aller transporter le gars pour être sûr que il nous voit pas. Voilà, c'est parfait. Voilà. Tac, on le pose là. Là on revient. Là on va siffler pour justement attirer le mec. Voilà, on l'attire. Tac, on se prépare là. Et bloum, allez, clac. Lui il est mort. On va aller le planquer avec les autres. Voilà. Non, j'ai dit d'aller le planquer avec les autres. Ah, décidément. Allez, pause ça. Voilà. Allez, on y va là. Voilà.
Tac, on ramène l'autre. Voilà. Pour l'instant, on est bien. Là, on va un coup de sifflet. Pour justement l'attirer. Voilà. Une fois attiré, on sort son couteau, on va le tuer, on va le descendre. Hop. Allez, hop. Nickel, il est mort. Il est mort. Ah, là, on peut noter que le champ de vision rouge de l'ennemi est divisé en deux zones. La zone rouge complète et la zone où l'ennemi rouge le verra sûrement. Quoi qu'il arrive, tandis que la zone rouge en postillé. Ah d'accord, ok. Faut pas rentrer dans son champ de vision. Voilà. Le champ de vision rouge, faut pas le faire. Donc, là, sa vision, c'est ça donne quoi? Ok. On se repère un petit peu. Ok. Il y en a deux là. Ok, son champ de vision est bon. Donc on peut aller s'accroupir. On va aller s'accroupir les amis. Comme ça il nous verra pas lui. Voilà, on va aller. On regarde un peu les autres ennemis. Ouais. La moto, on n'est pas loin de la moto, hein, les amis. On n'est pas très très loin de la moto. Voilà. Du coup, allez. Hop, on y va. On tente le coup. Voilà. On reste accroupi, hein, les amis, pour pas qu'ils nous voient. Regardez, c'est ça, c'est le champ de vision rouge. Faut surtout pas qu'ils nous voient. Donc on va rester accroupir. Voilà. Là, il peut pas nous voir parce qu'on est accroupi. Voilà. Là, on va jeter le réveil. Voilà, comme ça. Il est bien le réveil. Franchement, il est très très bien le réveil. Là, on va se dépêcher. On reste accroupi. On va se dépêcher de le tuer. Franchement, il est vraiment utile le réveil. Vraiment. Hop. Allez, on l'a tué. Là, on va récupérer le réveil. Voilà. Ce qui est fait, on va aller planquer le corps. Comme ça, au moins, on est prudent. Voilà. Allez, on va récupérer le réveil cette fois-ci. Voilà. Allez. Là, on va tuer lui. Et lui. Et là, il nous reste deux. Donc, du coup, on va aller. On va charger de lui, là. De lui, là. En premier. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Voilà, on va aller planquer le corps. On va être repéré encore une fois, faut être prudent. Parce que là on arrive vers la fin, donc ça serait con. Donc là on va repérer les lieux. Allez, on va prendre lui, on va le. Allez, il reste accroupi. Hein. Voilà, on va le relever. Tac. Là. Là, faut faire attention au truc. Voilà, tout en restant accroupi. On va rester accroupir. Voilà, ce qui est parfait. De toute façon, on est bien, franchement, on se débrouille pas mal. Voilà. Donc, on va s'occuper des deux gars. Allez, avec le truc qu'on a. Là, on va utiliser le poing. Lui, on va utiliser le couteau. Et on va attaquer en même temps. Et entrer. Allez, on va attaquer en même temps. Hop, allez, hop, on les zigouille. Ça, c'est parfait. Là, on va découper le grillage qui nous sépare de la moto. Par contre, là, il y a voilà ce qui est fait. La couverture du personnage. Si vous avez un plus, personnel, laisse-le. Allez, il y a un trou. C'est par où il y a un ennemi, les repères. Ok. Donc, là, il y en a beaucoup qui nous attend. Voilà. Ça va être chaud. Allez, on va rester accroupi. Voilà, on va s'approcher. Ah, là, utiliser l'espèce de truc H qu'on se demandait qu'est-ce que c'était tout à l'heure. Donc, on va l'utiliser. Ah, d'accord, c'est un tir. En fait, on peut être libre de notre mouvement. Ça va être cool. Ça va être très, très cool. Donc, il y a toujours l'espèce de rayon, là, pour pas se faire voir. Donc, on va se préparer à l'attaque. Voilà, tranquille. Voilà. Ah, on est libre de notre mouvement, regardez. Avec le viseur, on peut viser. C'est pas mal. Ça, je trouve ça pas mal. Je trouve ça nickel. Allez, on va aller attaquer. On va aller attaquer eux. Regardez. Ça, je trouve plus facile, les amis. Ah, c'est plus facile, regardez. Viseur, tac, 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 tac. Lui, on le zigouille.
Attends, il y en a deux qui arrivent. On va les aiguiller. Nickel, tranquille. Lui aussi. Tac. Voilà. Il y en a encore un autre. Et tac. Voilà, on a fini le chapitre 1, les amis. Franchement, c'était une belle aventure. Un peu difficile par moment. J'ai un peu galéré, je vous le cache pas. Mais on a enfin fini ce niveau. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao, ciao, bye bye. Bisous, bisous. Et merci de m'avoir suivi, les amis. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. Ciao, ciao, bye bye.